Soromé est un établissement du groupe ITIM. Le groupe ITIM, c'est 150 personnes, 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, deux établissements, un établissement basé à Annecy, un établissement basé à Rouen. Nos métiers sont centrés autour de la mécanique de précision, qui vont du fraisage, tournage, rectification, procédés spéciaux. Et sur les procédés spéciaux, nous allons du traitement thermique, de la projection thermique, des contrôles non destructifs. Nous fabriquons des pièces destinées à l'aéronautique pour des trains d'atterrissage, pour des commandes de vol, pour des réacteurs, pour les systèmes hydrauliques des avions. Nous sommes sur l'ensemble des avions, que ce soit Airbus, Boeing ou des hélicoptères, eurocoptères ou Dassault. Enfin, nous sommes sur pratiquement tous les avions. Chez Soromé, l'alternance représente 10% de nos effectifs, dont 15% dans le secteur de la production. Actuellement, nous avons 9 apprentis qui travaillent sur les métiers de l'usinage. Depuis plusieurs années, l'industrie a un déficit d'image. Nous avons des problèmes de recrutement, donc il nous a fallu agir et trouver des solutions et promouvoir nos métiers. Donc nous participons à des forums de recrutement. Nous participons à la journée de la mécanique organisée par l'UMM et puis nous participons également aux journées portes ouvertes, aux JPO, organisées par la CCI avec beaucoup de visites pour les étudiants. Notre objectif étant de mettre en avant l'apprentissage au sein de notre entreprise. La dernière action que nous avons menée est la signature d'une convention l'année dernière avec le CFA Île-Loire afin de promouvoir l'apprentissage dans le bassin rouennais. Concrètement, l'alternance chez Soromé, nous insistons vraiment sur trois points qui nous paraissent très importants. L'intégration du jeune apprenti avec un processus d'accueil propre à notre structure. Le rôle des tuteurs. Tous nos tuteurs ont suivi une formation d'au moins une journée afin d'appréhender leur rapport avec les alternants, savoir exactement ce qu'on attend d'eux et d'appréhender leur rapport avec le jeune. Souvent, nous avons un problème de génération entre les deux. Et puis le suivi des jeunes, en plus du suivi que peut faire le centre de formation, tous nos tuteurs vont au centre de formation voir au plus près ce que réalise l'apprenti. Donc voir les machines, sur quoi ils travaillent, les TP. Avec toutes les actions qu'on mène, on espère être un bon ambassadeur de l'industrie et de l'alternance pour la Loire.